vient de se passer, c'est qu'on a mis la 9e sculpture, la sculpture de Thierry Trives, la sculpture connectée qu'on a fait en partenariat avec l'école centrale de Marseille. En premier lieu, on a la température, donc c'est peut-être la mesure que le public va le plus regarder finalement. Ensuite, on va pouvoir voir la turbidité donc de l'eau, donc voir si elle a plus ou moins de particules en suspension. On va pouvoir voir le taux de dioxygène, donc c'est le niveau d'oxygénation qui est produit par les plantes in situ, notamment par les plantes qui vont se greffer sur le récif artificiel. Ensuite, on va pouvoir voir le pH, c'est un indicateur vraiment clé dans la préservation de l'environnement puisque ça mesure l'acidification des océans. Est-ce que les coraux en fait, vont pouvoir se régénérer et survivre dans un environnement avec un pH plus ou moins acide ou basique. C'est ici un état de ma vie où je suis en pleine résilience après avoir vécu en 2017 l'envol de ma dulcinée suite à un cancer du sein. Donc une sculpture à son effigie, à l'effigie et en mémoire de toutes ces femmes qui souffrent. Et c'est là où la résilience fait surface après avoir trouvé les clés pour remonter de ces abîmes.